Salut les tankistes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de la nouvelle économie de Blitz, la mise à jour 8.5 qui arrive demain, je vous dis tout, restez bien, abonnez-vous, petit pouce bleu, et je vais vous dire comment gagner des millions de crédits, c'est parti! Voilà, on est dans le cadre de la Blitz Cup avec ce magnifique Progetto 46, et juste avant de commencer, on va regarder la vidéo officielle, et après je vous la décrypte naturellement. Je voulais faire un gros coucou au support Wargaming, à l'équipe Lily Dubois, Alain Mavid, sans oublier Jean-Luc Tarrier. Voilà, bah écoutez, tout simplement, au sujet de ce Progetto, j'ai eu, comme de nombreuses personnes, moi j'avais fait des tournois cette année, j'en ai fait un, donc les trois batailles en tournoi étaient accomplies, mais j'ai pas eu l'ordre proposé ici dans la partie autre de l'entrepôt, j'ai eu l'ordre uniquement dans la boutique, donc j'ai payé 1000 gold pour l'avoir, j'ai fait les 50 batailles, j'ai débloqué le cabot, mais j'ai quand même demandé à Wargaming et ils m'ont recrédité mes 1000 gold, ils m'ont tout de suite mis à ma disposition lors de l'ouverture du ticket, quelques heures plus tard j'avais l'ordre gratuit, mais comme j'avais déjà commencé à faire des batailles en Progetto, bah, j'ai continué, j'ai été jusqu'au bout, ça s'est passé le week-end, donc la réponse, j'imagine que pour recréditer l'or, il fallait référer au support, de toute façon, c'était le week-end, moi j'ai fini mes 50 batailles, j'ai débloqué le camo, et Wargaming m'a recrédité mes 1000 pièces d'or, donc merci à l'équipe, voilà les tickets qui fonctionnent, merci à toute l'équipe, Lily Dubois, Alain Mavid, qui m'ont répondu, je voulais leur répondre dans le ticket, mais c'était pas possible, parce que quand on fait résolu, on peut pas leur répondre, donc je le fais ici de vive voix, ça me fait très plaisir, sans oublier l'ami Jean-Luc Tarrier, toute l'équipe à vous, support Wargaming France, World of Tank Blitz, GG à vous, c'est ça que c'est bon l'ami, merci. On regarde tout de suite la vidéo et on se retrouve après pour regarder un petit truc qui va vous faire gagner des millions de crédits, donc restez bien jusqu'au bout là maintenant, tout de suite likez, puis machin et tout ça, abonnez-vous. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous faire la traduction littérale de cette vidéo, j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Rapidement, on va vous présenter la nouvelle économie dans Blitz qui arrive à partir de donc demain soir, dans la mise en 8.5. Donc avant, on pouvait perdre des crédits en fonction de comment on se passait la bataille. Désormais, l'économie va être différente et vous pouvez voir qu'il y aura plus de crédits perdus pour les coups de réparation ainsi que les munitions AP et HE. Elles deviennent gratuites, vous pouvez voir là sur pour tous les tanks. Les munitions AP et HE, donc standard et explosif, seront gratuites. Donc voilà, on vous présente la nouvelle économie. Avant, en moyenne, les tanks gagnaient ou perdaient des crédits en fonction des batailles. Donc il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en négatif en fin de bataille. Donc ça, Wargaming essaie de le changer. Et à partir de la mise à jour 8.2, on peut voir que le nombre de joueurs qui va se retrouver avec la nouvelle économie en négatif après la bataille passe de 15% à 5%, donc perd 10 points. Là, on va faire un petit arrêt sur image parce que c'est important. Avant, les profits. Donc dans les profits, la barre de gauche, on peut voir qu'on avait les kits de réparation, standard, les munitions, les consommables, les prévisions, tout ça. Wargaming annule, donc va mettre les coûts de réparation et standard à zéro. Les coûts que vous paierez avec vos crédits resteront les consommables et provisions. Mais pour continuer de garder un certain équilibre et pas que vos crédits explosent, vous en gagnerez un petit peu moins par rapport au ratio de crédit que le tank pouvait vous rapporter. Attention, les ratios des tanks premium ne changent pas. On parle uniquement des tanks standards, des tanks que l'on recherche dans les branches. Donc voilà, le ratio de ces tanks-là va diminuer sensiblement, mais de manière générale, vous allez quand même toujours à être positif normalement en fin de bataille. L'unique façon d'être négatif, Wargaming n'encourage pas les comportements d'inactivité, le joueur se log. Se délogue, bon bah là, non, il n'aura pas zéro crédit à la fin, il va en perdre. Il va en perdre, donc si vous connectez et que vous faites rien, eh ben, vous perdrez des crédits. Donc oui, je trouve ça logique, je trouve ça bien. Bon, une fois n'est pas coutume, si vous devez éteindre, bah, vous perdrez un peu de crédit. Mais il y a aussi, on encourage les bons joueurs à bien jouer, donc quand vous prendrez des badges Master, des badges Guerrier ou des badges Kolokbanov, vous aurez un bonus de crédit. Et ça, c'est bien. Et vous pouvez voir sur ce graphe, en fonction du rang du tank avec lequel vous obtiendrez le badge, bah, le bonus de crédit qui sera accordé.
C'est important de bien comprendre comment Wargaming voit son jeu. Pour eux, les tanks de rang 1 et 4 sont pratiquement inexistants, ils sont juste là pour se faire les dents vite fait. 5, 6 pour apprendre un peu plus les techniques, mais ils veulent vraiment que les joueurs arrivent au rang 7, 8, 9 et 10 le plus vite possible, donc il leur faut des crédits, donc on met en place cette nouvelle économie. Voilà, pour Wargaming, ce sont les tanks de rang 7, 8, 9, 10 qui comptent. Abonne-toi à ma chaîne. Voilà, donc vous avez compris comment faire. Comment faire, donc ça va, voilà, l'économie, la nouvelle économie va arriver, les crédits vont, les munitions vont plus coûter de crédits, les munitions standard et HE, donc voilà, très simplement, prenez vos tanks, vous allez dans les munitions, vous mettez tout à zéro, sauf les munitions premium, voilà, tous ceux que vous jouez plus, vous mettez les munitions, les crédits à les munitions à zéro pour gagner les crédits. Moi, ça m'a fait gagner 12 millions de crédits, donc c'est pas mal. C'est vrai que j'ai beaucoup de tanks dans tous les rangs, mais tout de même, j'ai gardé 3-4 tanks avec les munitions uniquement. Donc voilà ce que je vais jouer ce soir, demain soir. Vous pouvez voir, j'ai le canon de New York Panzer. Voilà, ça j'ai vendu. Là, j'ai ça. Je pense pas que Wargaming créditera l'ensemble de sa base de données de joueurs avec les crédits des canons des étourdis qui auront oublié de les. Voilà, donc mettez, c'est très simple, hein, regardez. Sur le SU là, voilà. Vous mettez à 0, vous mettez à 0 ces deux lignes là, les perforants standard et les explosifs, vous gagnez 30 000 crédits, crac, boum, ça s'additionne et vous êtes très 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 content. Si vous faites ça sur tous les tanks, vous allez gagner beaucoup 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 de crédits. Donc ça, c'était le petit truc qui fait que tu vas t'abonner, en parler dans ton clan, mettre un petit pouce bleu, dire que t'es content, en parler à ta belle-mère, ta grand-mère, ta machin, ton bidule, même le petit chien faut qu'il s'abonne. Donc voilà, ça c'était le truc pour vous, pour gagner des crédits. Voilà. On va regarder le shop 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a des belles bananes en ce moment, à 2 semaines du Black Friday. On a des belles bananes. Je commence par le Somua Grenadier. C'est un AMX 50-100 avec une meilleure armure en frontale. Mais attention, l'AMX 50-100 va être buffé demain. L'armure de tourelle va être buffée. L'AMX 50-100 a le même canon, même pénétration, mais un meilleur DPM parce qu'il a un meilleur temps de rechargement que ce tank. L'AMX 50-100 a une meilleure mobilité. Ce tank a un petit peu plus d'armure, mais en frontale, il se fait quand même pénétrer. À la gold, je trouve assez facilement. Donc l'AMX 50-100 est un meilleur tank. 15 000 gold, même 12 500, c'est trop, beaucoup trop. Ça, c'est un tank qui devrait être vendu à 5 000. Ce serait un prix honnête. Un prix, mais bon, là, il est rare, il est neuf. Donc voilà, passez. Vous aurez dans 2 semaines, vous aurez des tanks premium de rang 8 meilleurs que ça pour 5 000 pièces d'or. Donc Somua, attendez, il reviendra pas cher. L'AMX 50-100 fait largement le travail, avec son buff fera encore mieux le travail, meilleure mobilité, c'est toujours mieux. Super Conqueror, il vient là, il est dans un tank tout nu à 20 000 pièces d'or. Moi je le prends pas, je pense qu'il sera avec un bon taux de chance dans le boule à neige dans 2 mois, donc voilà. On a le T25 Intrépide à 5 000 pièces d'or, tank nul, mobilité moyenne, canon moyen, voilà, c'est rien, il n'y a pas d'armure, il n'y a rien, le shérif, c'est un Pershing, hein, version Evium, version Heavy, bon DPM, excellent hold down, mais bon, vous avez, dans la mesure, vous avez un T32 qui est super à jouer, vous avez un Pershing qui va encore être buffé, voilà, ce tank là, si vous aimez le camo, allez, 5 000 pièces d'or maxi, prix honnête, pour moi, c'est encore trop cher. Ça, on passe, c'est une arnaque. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a tout vu en termes de tank dans le shop. On a le Black Friday qui arrive. Ah oui, vous sentez pas cette odeur? Cette odeur de Chris Lerka, moi je la sens, le tank va être buff. Bah, y a pas mal de tanks qui vont être buff, mais celui-là en particulier, gros buff de pénétration. Allez voir la revue, je le sens gros comme une maison, 5000 pièces d'or au Black Friday. Avec le buff de pénétration, ce tank va être largement OP. S'il sort à 5000 pièces d'or, mais n'attendez pas, mais allez-y. Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on a tout dit. On a vu la vidéo, on a vu l'analyse. Donc vous pensez bien à vendre toutes vos munitions sur tous vos tanks et vous allez gagner des crédits. Moi j'ai gagné 12 millions de crédits, c'est pas rien. Donc voilà, bah écoutez les amis, il est temps de se quitter. Petite vidéo rapido, juste des infos. Mise à jour, c'est demain. Abonnez-vous, parlez de la chaîne dans votre clan. Le Big Ted, Blitz FR, ça continue. Le bonjour aux amis, les autres on les aura. La suite au prochain numéro.
Thank you.